Et je vais donc essayer de vous présenter un certain nombre de travaux que j'ai réalisés, alors soit à titre individuel, soit avec un certain nombre de collègues de tout un tas de disciplines, historiens, biogéochimistes, hydrologues, chimistes tout court, urbanistes bien sûr, et j'en passe. Et puis aussi qui viennent de doctorants et de doctorats que j'ai eu la chance d'encadrer. Donc ça sera une espèce de pot-pourri, mais qui va essayer d'aborder cette question de l'histoire et de la prospective en termes de métabolisme urbain. Alors, comme je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec cette notion de métabolisme, je vais donner quelques éléments de cadrage théorique qui seront peut-être des rappels pour ceux qui baignent dedans. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais pour que vous sachiez d'où je vous parle et quels sont les principes, les notions, voire peut-être parfois les concepts qui sont au fondement des travaux que je vais vous présenter. Alors, en fait, ça a déjà été dit, donc je pourrais passer sur cette première diapositive, mais effectivement, donc mon point d'entrée dans l'analyse des interactions entre les sociétés et la biosphère est donc ce fameux métabolisme, alors qu'il peut être territorial, national, urbain lorsqu'on s'occupe des villes, et qui est finalement une expression physique concrète de ces interactions, donc un ensemble de flux d'énergie et de matière. Qui combinent des processus qui peuvent être naturels, qui sont indépendants des sociétés humaines, et puis d'autres qui sont issus des sociétés humaines, qui reposent eux-mêmes sur des processus naturels, mais qui sont transformés, mis au service d'une intention technique qui conduit à produire un métabolisme particulier. Et cette question de la comptabilité physique, je l'insère dans un champ de recherche un peu plus vaste qu'on appelle l'écologie territoriale. Alors, c'est une expression un peu franco-française ou peut-être francophone, même pas sûre, mais qui vise à avoir une approche spatialisée, localisée, socialisée de ce métabolisme en partant du constat selon lequel la quantification est bien sûr extrêmement importante, connaître les processus. C'est important qu'ils soient naturels ou techniques, mais que ces processus, ce métabolisme, ils sont partiellement organisés par des sociétés qui font des choix ou qui subissent parfois des contraintes, qui implémentent des politiques, des dispositifs, etc., etc., et que donc on a besoin d'une approche interdisciplinaire, comme ça a été dit, de ce métabolisme. Et puis, l'autre chose qui me paraît importante, surtout, enfin, je pense que c'est important tout le temps, mais c'est peut-être particulièrement important aujourd'hui quand on parle de transition à tout bout de champ, si je puis dire, hein, que ce soit dans le domaine des politiques publiques ou dans le débat public lui-même ou au sein de la recherche, il est important d'inscrire l'étude du métabolisme dans le temps, à travers donc ce qu'on peut appeler la notion de trajectoire socio-écologique, de transition socio-écologique entre deux régimes, puisqu'on peut dire qu'à un instant donné ou pendant une période donnée, une société peut être caractérisée par un régime socio-écologique qui s'exprime à travers son métabolisme particulier. Et donc ces approches, elles ont des racines multiples, mais qui sont à trouver pour certaines d'entre elles dans l'écologie urbaine. En particulier de Eugène Oudoum et peut-être plus encore de Paul Duvigneau, mais aussi dans l'écologie industrielle, avec donc les travaux, enfin, on pourra citer beaucoup de gens, hein, mais de Hertz, Allenby, et je cite un Belge avec qui je travaille beaucoup, qui est Gilles Bilen, et qui a écrit quand même en 1900, dans les années 80, avec un certain nombre de collègues, L'écosystème belgique, essai d'écologie industrielle, qui est un ouvrage extrêmement important. Et j'aurais pu ajouter, en termes de racines, l'imbrication aussi avec les travaux d'histoire de l'environnement, qui permettent de donner cette dimension temporelle aux approches. Tout ça, derrière tout ça, il y a des enjeux importants que vous connaissez bien entendu, hein, qui sont d'une part la caractérisation tout simplement du métabolisme urbain ou territorial,
que l'on pourrait résumer en ces termes. Combien pèse une ville? Qu'est-ce que ça représente en termes, encore une fois, matériels? Alors, vous verrez que dans mes approches, je suis plus matérielle qu'énergétique, bien que je vous donnerai quelques éléments énergétiques, mais la plupart des travaux que je conduis portent plutôt sur la matière, d'où cette idée de peser la ville, de caractériser ses trajectoires socio-écologiques, d'essayer de comprendre comment se déclinent localement les régimes socio-écologiques globaux, puisque on distingue généralement, hein, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, trois grands régimes socio-écologiques: le régime chasseur-cueilleur, le régime agraire, le régime industriel. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Localement, les choses se passent différemment, qu'on soit à Liège, à Paris, à la montagne ou que sais-je encore. Et puis, bien sûr, la question qui se pose est celle de savoir quand est-ce qu'il y a une transition, quand est-ce qu'il y a une bifurcation, comment est-ce que les choses changent. Et en référence à ce que je disais tout à l'heure, hein, les questions qu'on peut se poser sur la transition qui est appelée des vœux de certains aujourd'hui, amènent à se demander comment se sont aussi opérées les transitions passées. Voilà, et là-dedans, juste pour terminer ces éléments de quatre âges, ce qu'il faut bien voir, c'est que la ville, par nature, a un métabolisme très particulier, qui est tout à fait indépendant du régime agraire ou industriel, tout simplement parce que la ville est née de la performance du métabolisme agricole, qui permet de dégager des excédents et qui permet à des personnes, elles auraient pu faire autre chose, mais elles ont fait ça, de se livrer à d'autres activités, de développer notamment des activités d'échange et qui donnent naissance, alors je fais de l'histoire urbaine très rapide, hein, à une chose qu'on appelle la ville et qui se caractérise à la fois par les activités de ses habitants, par sa forme dense et par sa très grande dépendance métabolique, puisque finalement, comme l'écrivait François Hachère il y a un certain nombre d'années, la ville se caractérise par le fait que ses habitants ne produisent pas leur nourriture. Ça signifie que ça, c'est vrai en tout temps et en tout lieu, si je puis dire. Le métabolisme urbain est en partie externalisé, et ça permet déjà d'ouvrir un débat, mais je ne vais pas le faire maintenant, sur ce qui est parfois mis en avant, cette nécessité de l'autonomie urbaine. Alors quand on parle d'autonomie au sens de la capacité de décider, pourquoi pas, l'autonomie quand il s'agit de flux d'énergie et de matière, c'est bien sûr une forme de leurre, puisque c'est la définition même de la ville que d'être dépendante. Voilà, alors maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais aborder deux points successivement. Le premier va concerner la transition du régime agraire au régime industriel, et pour lequel je vais me reposer sur l'exemple parisien, qui est celui sur lequel j'ai le plus travaillé. Et puis le deuxième temps sera plutôt consacré à la période contemporaine, voire à la prospective, et donc à ce que l'on peut dire aujourd'hui du métabolisme urbain. Et là, on quittera partiellement Paris. Ce que je veux essayer de montrer à travers cette partie consacrée à la transition agraire-industrielle à Paris, donc qui s'opère qui commence, pourrait-on dire, à la fin du XVIIIe siècle, c'est que je voudrais éclairer le fait que cette transition, elle n'est pas du tout linéaire, elle n'est pas du tout monotone, pour employer une expression mathématique, elle est même parfois assez paradoxale, et que finalement, c'est l'approche par le métabolisme qui nous permet de saisir ce qui fait cette transition. Et ce que l'on va voir, c'est que cette transition, en fait, elle s'opère en deux temps extrêmement différents l'un de l'autre. L'un qui, grosso modo, va être représenté par le 19e siècle, alors avec des bornes que l'on peut faire bouger si on veut raffiner, et la deuxième qui est représentée par le 20e siècle. Mais encore une fois, le bornage pourrait être un peu différent. Ce qu'il faut retenir, c'est cette succession de deux phases métaboliques, si on peut dire, pour l'agglomération parisienne. Alors, je vais donner, à partir, comme je le disais, hein, de ces différents travaux, quelques éclairages sur ces deux périodes pour vous montrer comment cette approche métabolique nous renseigne sur cette transition. Alors, quelques éléments sur la phase 1, ce que j'appelle la phase 1, 19e siècle.
Eh bien, ce que l'on peut observer, effectivement, c'est qu'au XIXe siècle, à Paris, certains flux deviennent plus intenses, c'est-à-dire que la consommation par habitant augmente. Le flux le plus important à cet égard, c'est tout simplement l'eau. En fait, ce qui est important pour l'eau, c'est que la croissance de sa consommation s'est faite au XIXe siècle. En tout cas, encore une fois, hein, quand on la ramène à l'habitant. Bien sûr, après, il faut ajouter la croissance de la population. Mais en termes de mobilisation de l'eau par les citadins ou par les activités urbaines, finalement, tout se passe au XIXe siècle. Cela dit, et c'est là où on va voir que cette transformation du régime socio-écologique n'a rien de simple, cette croissance très forte, par exemple, de ce flux, on ne la trouve pas pour tous les flux. Un exemple très frappant, c'est celui de la consommation énergétique. Donc, ce qui est représenté ici, c'est l'évolution de la consommation, alors d'énergie finale en haut, d'énergie primaire, pardon, en bas, depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est tiré de la thèse, alors qui a 8 ans maintenant, hein, de Hennequin. Ce que l'on voit bien, c'est que effectivement, au XIXe siècle, on observe une transition énergétique. C'est très clair. On voit bien qu'en 1850, on passe à 50% de charbon de terre et qu'après, cette part du charbon de terre dans les sources énergétiques ne va faire que croître, hein. C'est ce qui est représenté dans la couleur rouille. Mais ce qui est aussi tout à fait remarquable, c'est la stabilité de la consommation. En gros, au XIXe siècle, la consommation unitaire d'énergie n'augmente pas. Et ici, c'est toute consommation confondue, hein. C'est ramené à l'habitant, mais ce sont toutes les consommations qui ont lieu au sein de la ville de Paris, où il y a pourtant des activités industrielles en plein essor, etc., etc. Et donc, ce résultat, quand on l'a trouvé, hein, il nous a énormément surpris. Cela dit, j'ai des collègues viennois en Autriche qui m'ont dit avoir observé à peu près la même chose, et on l'explique par les énormes économies d'énergie qui ont été faites à cette époque-là, qui ont permis, pardon, d'avoir des rendements de production d'énergie utile très supérieurs à la fin du 19e siècle à ce qu'ils étaient au début du 19e siècle, et très supérieurs à tout ce qu'on a fait probablement par la suite. Donc ça, c'est un point aussi tout à fait intéressant, enfin moi je le trouve intéressant en tout cas, qui montre bien le caractère contre-intuitif, hein, de certaines analyses, parce que comme je vous le disais à l'instant, nous on s'attendait à voir une croissance importante dès le 19e siècle, notamment en lien avec les modes de vie, puisqu'on sait quand même que par exemple le confort se développe au 19e siècle, on se chauffe plus, on chauffe plus de pièces, etc., etc., même si tout le monde n'a pas accès à ce confort. Donc voilà un étonnement, comme on peut employer un mot à la mode. Il y a une autre chose extrêmement importante qui caractérise le 19e siècle en termes de métabolisme, c'est que certes, il est en voie de linéarisation, pour employer le terme couramment admis, hein. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme, on parle de métabolisme linéaire pour décrire le métabolisme des sociétés, bah, actuelles, qui puisent sans cesse des ressources neuves, les transforment, les consomment et les jettent. Et puis repuisent des ressources, etc., etc. Donc ça, c'est le métabolisme linéaire. Et une première intuition pourrait être de se dire, bah, cette linéarisation du métabolisme, elle va se faire progressivement depuis la première révolution industrielle jusqu'à la fin du XXe siècle. Et en fait, non, pas du tout. On se rend compte du fait que le XIXe siècle est un siècle de circularité, en tout cas pour certaines matières, pas pour toutes. Bon, on a déjà vu la transition des énergies renouvelables vers le charbon. On sait bien qu'on exploite des minerais de plus en plus, bah, la preuve en est ici même, mais il n'en demeure pas moins que pour certaines matières, on est dans une circularité qui n'a jamais été atteinte auparavant. Donc l'exemple que je... Enfin, l'exemple, c'est pas un exemple, c'est un des éléments fondamentaux de cette circularité, c'est la recherche des engrais produits par les villes, des engrais urbains, et l'idée selon laquelle les villes doivent rendre à la campagne, sous forme d'engrais, ce qu'elles leur ont pris sous forme de nourriture, ce qui est indiqué dans le texte de Charles Fraissinet, qui est mentionné à gauche ici, hein, qui dit bien que finalement, le principe de l'assainissement urbain, c'est à la fois la production alimentaire et la salubrité urbaine. Et ce couple salubrité-production
production alimentaire, il est très fort dans les esprits et dans les faits au XIXe siècle, à l'échelle européenne d'ailleurs. Hein. Et il est vrai que l'histoire urbaine, généralement, n'en a retenu qu'un versant, qui est le versant salubrité, en oubliant finalement cette part fondamentale qui est contenue dans cette volonté de récupérer les engrais humains et urbains. Une volonté qui, en plus, se traduit dans les faits. Ce qui est représenté sur ce graphique, c'est la mise à jour d'un graphique que j'avais fait il y a quelques années, mais pour lequel là, j'ai travaillé avec un collègue qui s'appelle Fabien Esculier. On a repris toutes les archives pour aller vers une approche un peu plus fine que ce que j'avais pu faire auparavant. Et donc vous voyez qu'en termes d'azote et de phosphore, à la fin du 19e siècle, on atteint des taux de recyclage qui sont supérieurs à 40% pour l'azote, et de l'ordre de 70% pour le phosphore issu des aliments qui sont consommés par les urbains, donc issus des urines et des excréments pour faire simple. Si on ajoutait en plus la valorisation d'un certain nombre d'autres sous-produits urbains sous forme d'engrais, on arriverait à des taux encore plus élevés. Ce siècle du recyclage, c'est un siècle du recyclage aussi parce que l'industrie est demandeuse de matières premières urbaines. Ici, deux exemples qui sont les principaux, mais qui ne n'épuisent pas du tout le sujet. En haut à gauche, les os des animaux. Les os des animaux au XIXe siècle voient leurs usages s'intensifier et se multiplier. Vous voyez que sur la gauche du graphique, on a tous les différents types d'eau que l'on trouve. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça une matière première urbaine, pardon, au passage? C'est que l'os est vendu avec la viande et donc se retrouve dans les ordures des citadins. Donc, les chiffonniers, qui sont ceux qui récupèrent les os, vont aller chercher ces os dans les tas d'ordures qui sont placés dans les rues, puisque à l'époque, on n'a pas de récipient pour ces ordures et immondices. Et donc, vous voyez qu'on a un certain nombre d'utilisations qui sont faites de ces os, qui va de l'eau matière avec la tabletterie, de l'os matière avec la tabletterie, ou de la fabrique de colle pour coller les chapeaux, et comme on fabrique plus de chapeaux, on a besoin de plus de colle, de la gélatine qui est un usage nouveau du 19e siècle. La gélatine, chimiquement, c'est la même chose que la colle, mais on lui donne le nom de gélatine lorsqu'elle a une utilisation alimentaire, et on pense au début du 19e siècle trouver dans la gélatine des os un succédané de la viande qui permettra de nourrir les plus pauvres, en particulier les ouvriers, qui comme ça seront en forme et pourront produire et soutenir la croissance industrielle. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais ça a très bien marché dans la bourgeoisie pour fabriquer tout un tas d'entremets, c'est la mode des entremets, et puis ça servira plus tard pour le négatif photographique. Un autre exemple d'utilisation nouvelle, c'est l'allumette inflammable par frottement, qui est une invention des années 1820, une invention allemande, mais qui va essaimer très rapidement. Au bout de l'allumette inflammable par frottement, on met une pâte au phosphore. Cette pâte au phosphore, elle est issue de la calcination des os, dont on extrait le phosphore depuis la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, ça ne servait pas à grand-chose, à part à faire des expériences plus ou moins amusantes. Mais avec le développement de l'éclairage, avec les bougies stéariques, fabriqués à partir des graisses animales, et donc l'évolution des modes de vie, on s'éclaire plus, donc on a besoin de plus d'allumettes, et donc les villes sont, pour la plupart d'entre elles, dotées de fabriques de phosphore et de fabriques d'allumettes. Et enfin, dernier exemple pour les eaux, c'est le charbon animal. Le charbon animal, c'est comme le charbon actif, mais au lieu d'être d'origine végétale, il est donc d'origine animale et fabriqué à partir des eaux, calcinés réduits en poudre, qui fournissent une poudre très fine. Enfin, c'est exactement le même principe que le charbon actif actuel. La capacité de filtration du charbon animal est découverte au tout début du 19e siècle, à Montpellier. Et en fait, ce qui va se passer, et c'est là où on voit aussi que cette histoire du métabolisme urbain s'étend bien au-delà des limites de la ville, c'est que avec le blocus continental, donc lié aux guerres napoléoniennes, la France va être privée de sucre colonial vers 1810, et donc on va lancer la production de sucre de betterave, mais le problème du sucre de betterave est qu'il est très impur lorsqu'on l'extrait de la betterave, et ce qui va permettre de raffiner les sucres de betterave, c'est ce fameux charbon animal. Et les villes vont se couvrir d'usines de charbon animal. Alors les villes portuaires qui reçoivent, parce que quand le blocus continental prend fin, le sucre colonial revient,
ce qui d'ailleurs condamne temporairement ce qu'on appelle le sucre indigène, qui va reprendre de la force à la fin du 19e siècle. Mais le procédé va rester, le procédé de raffinage. Et donc, on a des grandes usines de charbon animal dans les villes portuaires, à Bordeaux, à Nantes, et dans les grandes villes, comme à Paris, parce que c'est un foyer de consommation de sucre, d'une part, et parce que c'est un foyer de production d'os, d'autre part, donc de charbon animal. L'autre exemple en bas à droite, bien sûr, c'est le chiffon d'origine végétale. On fabrique du papier avec des chiffons depuis le Moyen-Âge. Mais ce qui va se passer au début du 19e siècle, c'est que va être mise au point la machine à papier. La machine à papier permet de fabriquer du papier en rouleau, ce qui va permettre d'augmenter considérablement les capacités de production et va faire que la demande de chiffons va exploser. Et donc, on va voir la collecte des chiffons se déplacer des campagnes vers les villes, tout simplement parce que c'est dans les villes que le gisement est le plus facile à récupérer. Il est dense, il est concentré, il est plus important par habitant qu'à la campagne. Et donc, les grandes villes vont devenir des mines de chiffons pour l'industrie papetière. Et donc, je pourrais vous citer tout un tas d'autres exemples, la laine d'origine, la laine, tout simplement, et les chiffons d'origine animale qui vont donner la laine renaissance, donc une laine que l'on refabrique à partir de laine vieille, les boîtes de conserve qui naissent avec la conserverie qui vont se transformer en jouets, mais des jouets qui sont produits dans des industries extrêmement prospères. Et en fait, on a des capitaux extrêmement importants qui sont investis à la fois dans les engrais que je mentionnais précédemment et dans ces industries de la récupération et du recyclage. Donc vous voyez que ce 19e siècle, comme je le disais, j'ai employé le terme de paradoxal hein, tout à l'heure, parce que d'un côté, on voit bien que pour certaines matières, on a déjà une explosion de la consommation, l'eau. Pour d'autres, cette consommation reste très stable, l'énergie. Mais on a déjà une transition énergétique vers le charbon de terre. Et puis simultanément, une circularité, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on n'a jamais atteint auparavant. Si bien qu'on peut tout à fait dire que le 19e siècle, c'est le siècle du recyclage plus que tout autre. Alors tout ça, ça va changer au XXe siècle, comme je le suggérais tout à l'heure, avec une intensification de tous les flux. Donc ça, c'est la suite de la courbe de tout à l'heure, hein, pour ce qui concerne la consommation énergétique. Toujours en bas en énergie primaire, en haut en énergie finale. Et on voit bien qu'après cette stabilité très forte du XIXe siècle, on va avoir une croissance énorme de cette consommation, toujours rapportée aux habitants, hein, qui fait que, alors, qui débute finalement vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, hein, et qui fait qu'on va atteindre un niveau de l'ordre de 120 gigajoules par habitant en énergie primaire. Alors, j'ai indiqué énergie dite technique ici, tout simplement parce qu'on sur ce graphique n'est pas comptabilisé l'énergie contenue dans les aliments, que ce soit les aliments pour les humains ou pour les fourrages qui nourrissent en particulier les chevaux qui habitent à Paris et qui font le transport. Donc, on aurait pu ajouter cette couche. Enfin, elle est dans une autre courbe que je n'ai pas retrouvée, en fait, pour tout vous dire, à force de mélanger tous mes fichiers. Je crois qu'il faudrait que je fasse un petit tri. Mais donc, on voit bien cette explosion, cette diversification des sources que l'on connaît bien aujourd'hui, qui conforte cette première transition. Donc finalement, on peut presque dire que la transition énergétique, elle se fait elle a deux dimensions. Une première dimension qui est l'abandon du renouvelable, 19e siècle, une deuxième dimension qui est la diversification des sources et l'augmentation de la consommation, le 20e siècle. Donc cette intensification, elle touche tout. On la voit ici pour la consommation d'espace, ce qui est indiqué dans les petits rectangles de couleur, mais je ne sais pas si vous arrivez à le lire, c'est l'artificialisation par habitant nouveau, qui est un indicateur toujours intéressant, bon, même si on peut le critiquer, tout, mais en première approche, non inutile. Et on voit bien que cette artificialisation par habitant nouveau, eh bien, elle explose, elle est contenue au maximum à 120 mètres carrés par habitant autour de 1870, et elle va atteindre jusqu'à quasiment 200 mètres carrés par habitant dans l'entre-deux-guerres et dans la moitié du 19e siècle. Enfin, autre chose,
Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui permet de distinguer ces deux phases de la transition socio-écologique, c'est que la linéarité va l'emporter partout. C'est-à-dire que j'ai insisté sur cette dimension partiellement circulaire du métabolisme du 19e siècle. Ici, ce que l'on voit, c'est la suite aussi de la courbe que je présentais tout à l'heure. Et donc, on voit... Alors, je reviendrai sur le phosphore dans deux secondes, hein, mais pour l'azote, c'est très clair, un effondrement du... un effondrement de la valorisation. Pour le phosphore, en fait, ce qui fait qu'on a une reprise de la valorisation à partir des années 60-70, c'est plutôt ce qui se passe à l'amont de la consommation, donc dans les abattoirs, avec la récupération des eaux, notamment pour la fabrication des farines animales. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi cet effondrement? Bien sûr, cet effondrement, là, il est dû à ce qu'on peut appeler la révolution des engrais. Donc, avec la découverte des phosphates fossiles dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui va concurrencer les sources de phosphates urbains, notamment. La découverte de la potasse d'Alsace au tout début du 20e siècle, qui va découverte fortuite, hein, puisqu'on pensait... on cherchait du charbon et on a trouvé de la potasse, qui va fournir des quantités de potasse extrêmement importantes. Et puis, bien sûr, pour ce qui concerne l'azote, la mise au point du procédé Haber-Bosch. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier du procédé Haber-Bosch, mais en gros, c'est un procédé qui est mis au point au tout début du XXe siècle et qui permet d'utiliser l'azote de l'air pour fabriquer de l'azote réactif. Ce qui est important dans cette affaire de l'azote, c'est que d'une part, les premiers usages de l'azote réactif, donc de la synthèse de l'ammoniac, ne sont pas agricoles, ils sont militaires, puisque c'est ce qui va permettre de fabriquer des explosifs pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qui va se passer, c'est que au lendemain de la guerre, on va se trouver avec des usines de fabrication d'explosifs que l'on va convertir en usines d'engrais, de façon à pouvoir les reconvertir en usines d'explosifs si jamais il y avait une autre guerre, et il y en a eu une autre, comme vous le savez, bien sûr. Et en 1945, on a refait la même chose, c'est la guerre froide, on a besoin de maintenir un appareil potentiel de production d'explosifs important, et donc ces usines d'engrais sont là aussi pour permettre cette fabrication très rapidement en cas de nouveau conflit. Et donc là, on voit à nouveau que cette histoire du métabolisme urbain, elle rencontre une histoire qui est bien plus vaste, hein, qui est une histoire géopolitique. Mais surtout, ce qui est assez frappant, c'est que l'effet de la révolution des engrais a été plus rapide en ville qu'à la campagne. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde la courbe qui est présentée tout en haut, là, avec des aplats orange, cette courbe donne la teneur en oxygène de la Seine depuis Paris jusqu'à l'entrée de l'estuaire de la Seine et puis jusqu'à la mer. Et donc, il y a une première courbe noire qui correspond à 1898. Donc, on voit qu'à l'aval de Paris, on a une dégradation brutale de la qualité de l'eau qui est due au fait que les champs d'épandage que l'on utilisait pour produire des matières végétales destinées à la consommation humaine à partir des eaux d'égout étaient très productifs, mais il n'en demeure pas moins que les excédents d'eau d'égout étaient rejetés dans la Seine. Et donc on avait un effet brutal sur la qualité de l'eau, mais une remontée relativement rapide de cette qualité au bout de quelques kilomètres. La deuxième courbe en pointillé rouge, qui correspond aux aplats orange, correspond à la teneur en oxygène de la Seine en 1970. Et là, on voit que la dégradation se fait sur quasiment tout le linéaire de la Seine, bon, à l'exception d'une petite remontée avant l'entrée dans l'estuaire. Puis alors après, on arrive dans l'estuaire et c'est à nouveau la catastrophe. Et ça, cette dégradation de la qualité de l'eau, elle est due en très grande partie à la dévalorisation des sous-produits urbains. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où les sous-produits urbains, en particulier ceux destinés à la fabrication d'engrais, n'ont plus trouvé de débouchés, ils ont tout simplement été abandonnés à l'environnement et donc ont entraîné ces conséquences. Et donc, bien sûr, on sait que si on rejette des eaux d'égout dans les rivières, ça va dégrader la qualité de l'eau. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur ce lien entre dévalorisation des produits et
dégradation de la qualité de l'eau. L'autre résultat de cette dévalorisation, c'est tout simplement la multiplication des décharges dites contrôlées, qui, alors par exemple, la décharge contrôlée est utilisée en Grande-Bretagne dès les années 1870. Elle est rejetée en France comme étant une solution ne permettant pas la valorisation et donc tout à fait à ne pas utiliser, à prohiber. Et dès que dans l'entre-deux-guerres, on n'arrive plus à trouver de débouchés pour les sous-produits urbains, eh bien on va s'en remettre à cette solution qui est de fait la moins coûteuse pour gérer les déchets. On fera aussi du tout à la mer et du tout à la rivière. Moi, je l'ai observé, le tout à la rivière, quand j'étais petite. Dans les Alpes. C'était très impressionnant parce qu'on jetait son sac d'ordures dans le torrent. Voilà, et donc autre chose importante qui caractérise cette deuxième phase du régime de l'industrialisation du régime socio-écologique, eh bien, c'est la croissance de l'externalisation et de l'éloignement. Ce qui est présenté sur le graphique de gauche, ce sont des distances moyennes d'approvisionnement alimentaire et énergétique, donc toujours pour l'agglomération parisienne en 1786, 1896, 2006. On voit bien que pour le 19e siècle, il y a certes une augmentation, mais qui reste relativement faible. Et puis, 2006, on est à plusieurs milliers de kilomètres d'approvisionnement. Alors pour l'alimentation, quand on regarde l'approvisionnement alimentaire direct, on peut avoir une illusion de relative proximité. On est autour de 700 km de distance moyenne d'approvisionnement alimentaire pour l'agglomération parisienne. Alors là, ce que j'aurais dû ajouter, c'est que c'est l'approvisionnement en protéines. Ce n'est pas l'approvisionnement pondéral total. C'est lié aux travaux qu'on a conduits sur l'azote, en fait. Mais si on ajoute dans ce calcul, si on prend en compte l'origine de l'alimentation animale et qu'on remonte finalement à l'origine de l'azote qui est consommé dans la viande que consomment les Parisiens, ben on arrive finalement à un ordre de grandeur qui est similaire à celui de l'approvisionnement énergétique. Donc là aussi, ça permet de questionner un certain discours sur la proximité. Bon, en France, on est toujours content de dire qu'on produit notre nourriture, etc. Mais c'est pas vrai. Et puis bien sûr, enfin bien sûr ou pas bien sûr, cet éloignement et cette externalisation, eh bien, elle se traduit par des effets différés dans l'espace du métabolisme urbain qui sont de plus en plus importants. Alors ça, ce qui est présenté ici, c'est aussi un travail assez ancien qu'on avait réalisé avec des collègues de géochimistes, donc Gilles Bilaine et Josette Garnier. La partie modélisation de l'azote leur est due. Hein, moi, j'ai travaillé plutôt sur la collecte des sources. On a réfléchi à la question des régimes alimentaires, etc. Mais le travail sur la circulation de l'azote à proprement parler et de leur part. Et donc, ce que vous voyez, bah, c'est l'illustration de ce que je disais sur l'approvisionnement extérieur, mais surtout les énormes pertes d'azote antérieures à l'arrivée en ville, si bien que les effets du métabolisme urbain aujourd'hui sont beaucoup plus importants à l'extérieur des villes qu'à l'intérieur de leurs limites. Enfin, dernière chose qu'on peut noter, c'est indépendamment de cette externalisation du métabolisme, mais c'est bien sûr ce qu'on peut appeler les empreintes infrastructurelles, paysagères et institutionnelles, parce que dans beaucoup de cas, l'externalisation du métabolisme urbain, enfin pour certains flux en tout cas, va se traduire par des emprises politiques que peuvent avoir les villes sur des territoires qui peuvent être très très éloignés. Je peux prendre un exemple ici qui est celui par exemple des barrages réservoirs qui soutiennent l'étiage de la Seine en été et qui luttent un peu contre les inondations en hiver, mais de façon pas si importante que ça. Jusqu'à très récemment, l'institution qui gérait et qui gouvernait ces barrages réservoirs, qui se situent environ à 200 à 250 km de l'agglomération parisienne, était constituée par la ville de Paris et les trois départements qui l'entourent, les trois départements de l'agglomération parisienne, ce qui se traduisait par une forme d'emprise institutionnelle, et on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Voilà, donc pour terminer sur cette transition, je vais redire très rapidement ce que j'ai essayé de montrer. C'est l'existence de ces deux phases très distinctes
de la constitution du régime socio-écologique industriel, avec une première phase que l'on peut qualifier de semi-circulaire, et qui fait quand même beaucoup écho à des réflexions contemporaines, hein, sur l'économie circulaire, etc., etc., et puis une phase qui est complètement linéaire. Cette phase circulaire, ça n'est pas une survivance du régime agraire, c'est vraiment une condition de l'essor industriel, c'est une condition de l'essor urbain pour ce qui est de la production alimentaire. Mais ce qui est important à voir, c'est que, comme je l'ai dit, hein, dès que les sous-produits urbains, d'abord, sont devenus un facteur limitant de la production industrielle, ce qui a été le cas pour les chiffons, par exemple, ou dès que l'on a trouvé des alternatives plus commodes, plus industrialisables, et en plus porteuses d'autres enjeux qu'on fait l'azote, eh bien, cette circularité a été complètement abandonnée à la biosphère. Et donc ça peut nous amener à nous poser des questions sur le régime socio-écologique tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il s'exprime à travers un certain nombre de transformations. Et on peut se demander si on est aujourd'hui dans une forme de transition ou de consolidation du régime dominant. Et c'est ça qui va m'amener à mon dernière partie, pour laquelle je vais revenir sur quelques éléments concernant le métabolisme contemporain, voir ce qu'on peut imaginer en termes de prospective métabolique. Alors, première chose que l'on peut voir, c'est que on peut noter effectivement un intérêt croissant des territoires pour leur métabolisme. Ce qui est présenté sur cette diapositive, c'est le résultat des travaux de Martial Vialex qui est en cours de thèse sur la question de ce qu'on appelle entre nous la métabolisation de l'urbanisme. En fait, il essaye de voir si le métabolisme, enfin le travail sur le métabolisme, la montée en puissance, certes relative, du métabolisme comme sujet de préoccupation des collectivités a un impact sur ce qui se fait en urbanisme. Mais la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a essayé de faire la recension des analyses de flux de matière, donc de métabolisme, conduites par les différents territoires à l'échelle de la France. Et donc, ce n'est pas un recensement des analyses produites par les chercheurs dans le cadre scientifique uniquement, mais bien des analyses qui sont produites à la demande des institutions, parfois par des chercheurs, mais qui sont le fruit d'une commande publique. Et donc, vous voyez que, alors, en orange, ce sont les régions, en pointillé, ce sont les départements, et en vert, ce sont ce qu'on appelle les établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire les groupements de communes. Et donc on voit bien, hein, que entre 2010 et 2020, on a une explosion de ces analyses qui pourrait traduire un intérêt, une prise en compte, une sensibilisation des acteurs publics à la question du métabolisme et de son éventuelle transformation. Alors après, si on regarde ce qu'il en est du métabolisme aujourd'hui, force est de constater que malgré un certain nombre de politiques, malgré un certain nombre de déclarations d'intention, le métabolisme reste tout à fait linéaire et externalisé. Ce qui est présenté ici, c'est le résultat d'un travail que Vincent Augiseau et moi-même avons fait pour la région Île-de-France. Donc là, c'est bien une commande de la région qui visait donc à quantifier le métabolisme francilien, avec des résultats pour 2015, où on est déjà dans une phase où un certain nombre de politiques visant, alors implicitement, hein, et pas explicitement, à maîtriser le métabolisme urbain ont été mises en œuvre. Bon, quand on regarde ces schémas, je ne vais pas les commenter en détail parce que je n'en ai pas le temps, mais en gros, ces schémas sont issus de l'application de la méthode Eurostat, donc la méthode du Service européen de la statistique de bilan de matière. Ce que je dois ajouter, c'est qu'ils ne contiennent pas l'eau, donc l'eau qui est distribuée, etc., etc., n'est pas prise en compte dans le bilan, mais toutes les autres matières, donc combustibles fossiles, matériaux de construction, matières végétales, produits finis, produits semi-finis, etc. Et donc ce qu'on regarde à gauche, c'est ce qui rentre, et à droite, c'est ce qui sort. Et donc ce qui rentre, il y a ce qui est importé d'ailleurs que de l'Île-de-France, il y a ce qui est extrait du sol d'Île-de-France,
Et puis, dans ce qui sort, il y a ce qui est exporté sous forme d'exportation commerciale et il y a ce qui est rendu à la... Enfin, rendu, c'est peut-être pas le bon terme, ce qui est abandonné à la nature, qui sont ces émissions vers la nature appelées locales ici. Et le deuxième graphique, c'est exactement le même, mais pour lequel on a ajouté les flux indirects associés aux importations et aux exportations. Donc, ces effets différés dans l'espace de la région Île-de-France. Et donc, vous voyez que même sans regarder les chiffres, en regardant juste l'épaisseur des flèches qui est proportionnelle à ces tonnages, ben, on voit bien la forte externalisation, la forte dépendance, la forte linéarité, puisque finalement, les émissions vers la nature reconstituent le plus important de tous les flux sortants, malgré l'importance des exportations, et puis bien sûr cet écrasant flux indirect associé aux importations. Et vous voyez qu'en bas, là, il y a un petit truc tout seul qui est le recyclage, qui apparaît comme parfaitement anecdotique par rapport à ce que représentent les flux mis en jeu par le fonctionnement de la région Île-de-France. Ça, c'est une autre illustration, c'est pour quitter un peu Paris, qui résulte du travail qui a été cité tout à l'heure, que nous avons réalisé dans le cadre du programme de recherche Action POPSU du plan urbanisme, construction et architecture français, pour lequel donc on a travaillé sur, alors pas sur l'ensemble des flux, mais sur les principaux flux qui caractérisent le métabolisme urbain, qui sont donc l'eau, les matériaux de construction, les matières alimentaires et les combustibles fossiles. On retrouve toujours ces quatre principaux flux quand on regarde le métabolisme urbain, en tout cas dans les pays des Nord, avec une écrasante majorité d'eau juste en dessous, les matériaux de construction très élevés, et puis après, généralement, à peu près à égalité, l'alimentation et les combustibles fossiles. Et donc là, ce qui est représenté, c'est ce que j'appelle le grand chassé croisé métabolique des flux alimentaires qui caractérisent le département du Nord. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble en forme de T. Donc ça, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du département du Nord. Et puis, les flux qui sont en haut à gauche sont des flux qui résultent de la production agricole du département du Nord. Et en dessous, ce qui est à l'extérieur, ce sont les importations du département du Nord. Et donc là, on voit que finalement, le département du Nord joue le rôle d'une espèce de plateforme d'échange de matières alimentaires avec à nouveau des distances d'approvisionnement qui sont, sans compter l'approvisionnement, l'alimentation des animaux que j'avais prise en compte tout à l'heure, donc de 500 km pour l'approvisionnement et de 1000 km si on prend seulement les importations ou si on regarde les exportations. Ça relativise aussi un peu tout ce qui se dit sur le développement des circuits courts, hein, qui, là-dedans, pèse très très peu dans cette image de la circulation alimentaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le recyclage reste extrêmement limité. Donc là, ce qui est représenté en haut à droite, c'est le stock de matériaux de construction dans les bâtiments et les infrastructures en Île-de-France. Ça, c'est tiré de la thèse de Vincent Rugisot. Et l'autre schéma représente la circulation des matériaux de construction en Île-de-France en 2015. C'est tiré de l'étude que nous avons faite pour la région. Et donc là, ce qu'on voit bien, hein, c'est que le recyclage reste très faible. Alors, si on regarde les chiffres qui sortent en ce moment en France, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, sur le recyclage dans le secteur du BTP, ils sont beaucoup plus élevés que ce qui est présenté ici, parce qu'on compte dans le recyclage l'utilisation des terres excavées. Et du coup, on arrive... Alors, comme on considère qu'à chaque fois qu'on fait un tas de terre, c'est de la valorisation, on arrive à des taux de valorisation qui peuvent être de l'ordre de 60%, voire plus dans certains cas. Mais si on s'en tient aux matériaux issus des démolitions, en fait, on en est très, très, très loin. Bon, enfin, je pense que comme vous... Plusieurs d'entre vous travaillez dans ces domaines-là, vous le savez aussi bien que moi. Et donc, on est très loin d'aller vers... En tout cas, du résultat qui est de 70% tel qu'escompté par la communauté européenne. Une autre illustration, et je vais accélérer,
de cette faible, ce faible changement finalement du métabolisme urbain. Alors ce tableau qui a l'air très compliqué, je veux juste vous montrer une chose, c'est qu'il n'y a qu'un point dans la case en haut à droite. Alors ça, c'est tiré d'une thèse qui va être soutenue très bientôt de Laetitia Vairag. Et en fait, ce qu'elle s'est posée comme question, c'est est-ce qu'il existe de nouvelles relations ville-campagne métabolique? C'est-à-dire des systèmes d'échange d'énergie et de matière qui se mettraient en place entre les villes et les campagnes. Par exemple, des villes qui donnent des engrais à la campagne en échange de nourriture, comme on l'a vu au XIXe siècle, ou bien des systèmes de valorisation de sous-produits agricoles, par exemple, le bois bocager. Qui est d'ailleurs utilisé dans certains cas ici, et qui serait utilisé en ville, etc., etc., et qui traduirait finalement une évolution des relations ville-campagne vers quelque chose de métaboliquement plus intéressant au sens du développement des énergies renouvelables, de la dématérialisation, etc., et qui se traduirait aussi par un équilibre des échanges, et non pas par un système de prédation de la ville sur la campagne. Donc elle a dépouillé tous les dispositifs possibles et imaginables, elle a dépouillé à peu près 3 000 initiatives en France, dont elle a tiré 63 qui renverraient à des relations ville-campagne un peu différentes de ce qu'on aperçoit d'habitude. Et parmi toutes ces 63, il n'y en a qu'une, celle qui est en haut à droite, qui traduirait une transformation profonde, un potentiel de transformation profond du métabolisme et un équilibre des relations entre ville et campagne. Donc finalement, on se rend compte du fait que ces transformations sont relativement peu importantes, avec aussi une focalisation, dans beaucoup de cas, hein, des politiques publiques sur des flux mineurs. Des flux qui, certes, peuvent représenter un intérêt, hein, pour tout un tas de raisons autres que celle de diminuer la pression sur les ressources. Et puis, une autre chose qui est très forte, c'est que l'on observe un peu partout, c'est le primat de l'énergie. Et ça, il y a une thèse en cours de Étienne Dufour qui travaille sur ces questions et qui montre que c'est depuis les chocs pétroliers, hein, que dans la gestion des déchets, en tout cas en France, la primauté est toujours donnée à l'énergie, avec une focalisation sur la récupération de flux d'énergie très faible par rapport à la consommation énergétique. Là, j'ai mis un petit calcul sur le potentiel énergétique théorique de la méthanisation des biodéchets ménagers à Paris. Ça représente 0,2% de la consommation énergétique finale totale parisienne, à savoir rien. Alors que la valorisation des matières organiques, même si elle devient plus importante aujourd'hui, reste très, très, très déficitaire. Alors, juste pour terminer, la question qu'on pourrait se poser, donc ce que je veux dire par là, c'est que pour clore ces quelques éléments très incomplets, hein, sur ce qu'on peut dire du métabolisme urbain aujourd'hui, c'est que donc ce qu'on observe, c'est encore maintenant un très faible changement des caractéristiques principales de ce métabolisme, alors qui n'est peut-être pas surprenant, hein, on peut se demander si finalement, les signaux faibles qui existent sont annonciateurs d'une transition ou pas. L'impression que j'ai, en tout cas, à partir d'un certain nombre de travaux, c'est que les signaux faibles qui émergent renvoient plutôt à des initiatives qui confortent le régime dominant et qui vont finalement accrocher des petites boucles sur un métabolisme linéaire. Et de façon très, parfois optimale, hein, mais sans remettre en question ce métabolisme linéaire. Et pour terminer, je voulais juste vous présenter très rapidement quelques travaux que nous conduisons depuis quelques années. Alors en particulier au sein du PIRENSEN. Le PIRENSEN, c'est le programme interdisciplinaire de recherche sur l'environnement du bassin de la Seine. C'est un programme de recherche qui existe depuis une trentaine d'années. Si vous allez sur le site du PIRENSEN, vous verrez que vous pouvez avoir accès à tous les rapports de recherche qui ont été produits depuis donc 31 ans maintenant. Et donc, depuis quelques années, nous développons des travaux de prospective. Alors, de prospective au sens, notre objectif n'est pas de faire de la prévision, hein,
n'est pas de faire de la planification non plus, mais plutôt de travailler sur des scénarios, comme ça se fait dans beaucoup de cas, des scénarios territorialisés d'évolution du bassin pour essayer de contribuer au débat sur les futurs possibles du bassin de la Seine. Au départ, ces scénarios, alors là, ce que, ouais, je vais revenir, portaient uniquement sur la dernière ligne. C'est-à-dire que comme dans le bassin de la Seine, le principal problème en termes notamment de pollution de l'eau, c'est l'agriculture, bah, on réfléchissait à la transformation du système agricole. Et puis progressivement, on s'est dit, oui, mais si on change le système agricole, il faut peut-être penser au régime alimentaire. Donc on a ajouté les régimes alimentaires. Et puis après, on s'est dit, oui, mais ça veut, si on fait changer... Ou si on oriente le système agroalimentaire dans une certaine direction, pardon, ça va changer. Il y a forcément d'autres choses qui vont changer. Le système agroalimentaire ne va pas changer tout seul. Et donc on a progressivement remonté finalement la réflexion jusqu'à essayer d'imaginer des modèles à la fois politiques, sociaux, d'aménagement de l'espace, qui seraient des alternatives au modèle dominant. Et donc là, ce que j'ai présenté dans ce tableau, mais malheureusement, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans le détail, ce sont les trois scénarios sur lesquels nous travaillons actuellement. Le premier, nous l'avons appelé Paris, le nouveau Londres. C'est un scénario dans lequel on s'imagine qu'après le Brexit, Paris devient Londres. Et donc, une super métropole ultra-libérale, néolibérale, avec beaucoup de high-tech, etc., etc. Et donc, dans laquelle, finalement, la transformation du métabolisme va se faire plutôt par l'efficacité que par la sobriété, et va être fondée, donc, sur les technologies, sur le high-tech. Ensuite, nous travaillons sur un autre scénario qui s'appelle Les villes en leur bassin, dans lequel, bon, Paris n'est pas devenu Londres. Et dans lequel on a un réinvestissement des villes moyennes du bassin avec un métabolisme qui va évoluer à la fois sous l'action de recherche d'efficacité et de sobriété, avec une transformation du système agricole vers la polyculture élevage biologique, une diminution de la consommation de protéines animales, etc. Même si personne ne sait si ça va se poursuivre, hein. Et puis une transition politique radicale vers un système municipaliste. Donc là, on n'a plus de, c'est plus la sixième République ni la cinquième, hein, c'est tout à fait autre chose, dans lequel finalement c'est la sobriété qui domine plus que l'efficacité, dans laquelle on va vers des systèmes de low-tech avec du zéro artificialisation brute et non pas du net comme c'est par exemple dans le scénario intermédiaire. Et donc, sans rentrer dans le détail, on essaye de travailler ces scénarios pour ensuite en produire une évaluation métabolique. Et je vais m'arrêter là-dessus. Ce qui est présenté sur cette dernière diapositive, c'est bah, à nouveau le résultat du travail de Fabien Esculier dans dans sa thèse. Qui est reparti de l'empreinte azote que je vous montrais tout à l'heure, mais a ajouté ce qui se passe à la sortie de la ville. Et donc, à gauche, c'est l'empreinte azote d'un francilien aujourd'hui. Ah, mais j'ai écrit en haut, en bas, parce que j'ai changé, excusez-moi. Donc, c'est à gauche, à droite. Et à droite, c'est une simulation, donc issue de nos réflexions scénaristiques, de qu'est-ce qui se passe si donc on fait passer le bassin de la Seine en polyculture élevage biologique d'une part, ça c'est pour l'amont, et si à l'aval on met en œuvre la récupération des urines, des excréments, enfin en tout cas l'épandage des boues de ce qui reste de stations d'épuration, si on augmente le taux de valorisation des matières organiques. Et ce que vous voyez ici, bah, c'est tout simplement que les flèches sont beaucoup plus fines. Et le résultat de cette simulation, c'est aussi qu'avec ce système-là, en tout cas biogéochimiquement, le bassin de la Seine peut se nourrir. Il peut nourrir tous ses habitants, même sans réduction de la population, puisque là, on est plutôt dans le scénario intermédiaire. Et il peut continuer à exporter des aliments. Donc, c'était aussi un peu une réponse, hein, à la question de savoir si la transformation du système agroalimentaire était possible, au moins en termes de ce que l'on peut produire. Bon, dans les cases, vous avez des surfaces aussi, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce que je ne sais jamais conclure. Donc, à suivre pour la prochaine fois ou pas. Et je vous remercie de votre attention.